Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va entamer maintenant la résolution de l'exercice numéro 10, le dernier de la série numéro 12. On a un circuit électrique comportant un condensateur avec un commutateur dans la branche avec un générateur de force électromotrice E, de résistance interne R, en série avec une résistance. Un autre, dans l'autre branche, c'est un générateur de force électromotrice E' et de résistance interne R'. Le condensateur étant initialement complètement déchargé, à l'instant qu'on prendra compte, début à le contour, compteur à le temps, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0, on place le commutateur sur la position 1. Et donc, on a, avant cela, on va noter un égal point sur hada le point A, hada le point B, hada le point D, hada le point F, hada le point H. Donc, entre chaque. Et bon, donc une fois placé le commutateur sur la position 1, on obtient le circuit électrique. Voilà. Alors, donc la partie R n'est pas inclue. Donc, on a le point F, voilà le point A, le point B, le point D. Et le courant passe dans le sens voilà. Donc, c'est un sens de charge du condensateur. Le condensateur se charge. On représente le condensateur à un instant quelconque entre le début et la fin. Donc, il est déjà chargé, donc il est en train de se charger. Alors, en appliquant donc, la maille, on choisit le sens dans le même sens du courant. Alors, on a la loi des mailles, on a l'angle VA, B, B, D, B, D, 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 F, FA, donc on a la somme égale à VAA et donc 0. La première, c'est la différence potentielle entre les bandes d'un condensateur, donc c'est VA moins VB, donc la plaque positive moins la plaque négative, donc c'est VC, plus moins E, parce qu'il augmente alors que normalement on est en train de comptabiliser chaque niveau, si on possède moins E, RI la loi donne, et donc on remplace I qui est égal à DQ sur DT, parce que c'est la charge, Q étant égal à C fois VC, la C, Q est à la charge du condensateur, I donc c'est DQ sur DT, donc en dérivant, on obtient C DVC sur DT, et on obtient l'équation différentielle. Sauf qu'on peut aménager un petit peu la chose, en prenant R plus petit r, notons Rally Nardura R1, R1 Rally, elle est égale, R1 est égal à R plus grand R, petit r, et donc la constante du temps c'est R1C. Donc on pose R1C égale à taux, et le calcul de taux donne 1 milliseconde. Donc l'équation différentielle à dire. Pour la résolution Rh, on remarque que DVC est égal à DVC moins E. Donc, en ramenant VC sur taux à droite, on obtient ça, et puis on intervertit VC par moins E ou DT par, et donc SMA pour séparer les variables. Et donc on aura l'intégration. Donc par intégration, on a LL. LL, on a fait la valeur absolue, parce que VC moins E est négatif, pour éviter qu'il y ait un problème. Mais bien que, enfin, ce n'est pas important. Alors, on fait intervenir l'exponentielle pour éliminer le LL et la valeur absolue transgénale. Donc, si on a la valeur absolue, dans le pire des cas, c'est quoi? Soit positif et on reste avec B, soit c'est négatif et pour le moins, on multiplie B le moins. Et ce sera une constante transgénale. Dans tous les cas, c'est négatif. Alors, on va déterminer le Becquerel avec les conditions limites. La tension en bord du condensateur était égale à 0 et c'est égal à E plus B' et on détermine B'. Et donc on a l'expression du potentiel de la tension entre les bandes du condensateur. On peut calculer les différentes valeurs pour différents instants et donc on peut tracer le graphe. On a le régime transitoire et le régime permanent à partir de 5 taux. Donc on a là l'équation, le graphe représentant la tension en borne car le condensateur au cours de la charge, c'est-à-dire la pente, car la tangente à l'instant t égale 0 qui est à l'instant tout. Donc à l'instant tout c'est 0,3
sans quoi. T1 égale à 2 tours, c'est-à-dire qu'on n'attend pas jusqu'à ce que le condensateur soit complètement chargé, à l'instant de 2 tours. On positionne le commutateur K sur la position 2, on obtient le circuit suivant. Donc on a court-circuité le générateur E. Donc il y a une remarque, c'est qu'à l'instant T1 égale à 2 tours, le régime est à la charge, VC augmente jusqu'à 0,865 E, c'est-à-dire jusqu'à 5,19 volts. Donc, Ismina, VC 0. On aura le circuit électrique là-bas. Et donc, on remarque que VC de T' à l'instant 0, c'est-à-dire à nouveau la valeur initiale du commencement, est supérieure à E'. Donc, le générateur joue le rôle de récepteur. Et sa force électromotrice E' devient comme si c'était une force contre électromotrice E, petit e, et le condensateur joue le rôle de générateur, sauf que sa tension diminue avec le temps, avec la charge. Donc jusqu'à être égal à E'. Bon, on va voir ça, l'expression Taha, la loi des mailles, avec I égale à moins dq sur dt, le condensateur est en train de se décharger, mais sur le déchargement interne, ce n'est pas jusqu'à zéro. Il est déchargé partiellement, jusqu'à devenir, jusqu'à ce que la tension interne soit égale à la tension du générateur E'. Et donc, on a I égale à moins dq sur dt, on remplace, on a la nouvelle constante de temps, c'est R'C, qui est égale à T'. On remarque que T' est égal à 0,5 millisecondes, c'est-à-dire T'Rdma sur 2. L'équation différentielle est gérée de la même manière que tout à l'heure. Elle a la même apparence, c'est-à-dire, bon, on obtient l'équation. Donc, on intègre, on obtient ln de Vc là. Là, on n'a pas besoin de faire une valeur absolue parce que la valeur est positive. La constante est déterminée à partir des conditions aux limites, donc B', le Qaha égale à VC0 moins E', qu'on remplace et on trouve l'expression de VC. Il faut remarquer que VC, pour T qui tend vers l'infini, donne E', ne donne pas 0. Il y a l'expression de VC au cours de la décharge partielle. Bon, on demande de calculer les valeurs de VC pour T', 2T', 3T', 4T', 5T' et pour 0. Donc, on nous a demandé de tracer dans le même graphe ensuite la suite TE. Donc, il commence à partir de 5,19, c'est-à-dire à partir de VC moins E'. Donc, VC0 moins E', je rabatte vers E'. Puisque le courant, donc, on demande le sens du courant. Le courant de sens TAO, il passe de la plaque positive du générateur, du condensateur vers le générateur. Et donc, le générateur donc, joue le rôle de récepteur. L'énergie qu'il transforme, donc c'est l'énergie électrique, il la transforme en énergie chimique, donc c'est l'énergie à l'appareil, dans le générateur. La puissance apparue, transformée, est donnée par la relation E fois I. Donc il joue le rôle de récepteur, donc la puissance utile, c'est EI. Donc, Adilia, avec E, c'est grand E'. Et I égale moins dq sur dt, moins CV, dcv. Donc, et puisque la puissance, c'est dw sur dt, donc dw, l'énergie qu'il reçoit est égale à P de t fois dt. En remplacement, on a le temps qui s'en va, et donc on intègre par rapport à VC. Entre quoi? Entre VC0 et E'. Et donc, à la fin, on obtient l'expression AD et la valeur 657 microfarads.